transformer tes souffrances en puissance. Dis avec moi, it's enough. It is enough. C'est assez, c'en est assez. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour vos témoignages. Je suis votre grande, votre petite sœur. Je ne chante pas, je ne fais pas de politique, mais pourtant vous êtes là. Dieu est sur son trône. Je vous dis merci pour tout, merci, merci. Que Dieu vous bénisse pour votre amour, vos prières, votre soutien et pour tout ce que vous faites pour moi. Parce que quand je suis là, vous êtes avec moi. Avant que je n'oublie, je serai absente ce vendredi et ce lundi, il n'y aura pas de live, mais il y aura un live le mercredi. Je vais me rattraper le mercredi prochain, donc on se verra dans une semaine. Le 8 mars, donc nous aurons un cadeau de 24 heures. Il coûtera 25 €, un coffret sur l'art de t'aimer, interdit au moins de 22 ans, et atmosphère féminine. Donc des paroles de proclamation pour t'impacter en tant que femme, pour que tu avances. Il s'agit pour moi de rebâtir les couples, de rebâtir les vies, de rebâtir les femmes. LEI, en tout cas les vies sont visitées là-bas. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Le programme LEI est extraordinaire. Dieu, il y a des mots même qui me dépassent. J'aimerais dire un grand big love, un grand coucou à mon équipe, aux porteuses d'âme, Anne, Paul, Aïcha, Leslie. I love you people. It's enough, it's enough. Bisous à mes enfants, Jordan, Grace, Gloria, Nathanaël, Eunice. Enfin, à tous ceux que j'aime, quoi. J'ai oublié qui, oui, j'ai dit Jordan, Nathanaël, Grace, Eunice, Aurore. Si j'avais oublié ça, là, ça allait être compliqué. Big up au prophète Valérie et à mes parents, papa Ongonga, maman Ongonga, je vous aime. Je vous informe, il y aura une grande conférence. La Côte Sonia va sortir en direct. Au mois de juillet, il y aura une très grande conférence. Et si le Seigneur permet, peut-être en décembre, je ferai une descente sur Brazzaville et un autre pays. Oui, désolé Raïssa. Ben, en tout cas, il faudra profiter pour aller vous abonner sur ma page YouTube pour avoir toutes mes vidéos. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on m'appelle coach? Pourquoi est-ce qu'on dit de moi que je suis une motivatrice de masse? Parce que tout simplement, un coach, c'est quelqu'un qui t'entraîne, quelqu'un qui te challenge, quelqu'un qui te booste, quelqu'un qui met des stratégies pour t'accompagner à atteindre certains objectifs. Et moi, ma mission, mon mandat, c'est de t'entraîner toi à bien voir, à mieux réfléchir, à bien raisonner et à prendre les meilleures décisions pour ta vie, ok? Souvent, lorsqu'on est trop impliqué dans une situation, la vue peut être brouillée et on tâtonne, on se perd, tu vois? Et ce n'est pas donc un hasard si toi, tu m'as découvert, si tu as découvert ma page. Bonjour, Patricia Bimpolo. En tout cas, je vous aime, I love you. Diana, un bisou à toi, Rolex, bisous. Et Dieu ne t'a pas conduit par hasard sur ma page et parce qu'il voulait te parler, il voulait que quand je parle, que par ma voix, il puisse impacter ta vie. Beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup de femmes et d'hommes et de vies sont restaurés depuis que j'ai commencé il y a quelques bonjour Fatou Diop, je t'ai pas oublié. Winnie, bonjour Marina Pelagis. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Eh, ça c'est chez moi. Alors, j'ai envie de vous faire écouter un témoignage, une parole d'une dame. Juste un tout petit peu avant qu'on commence. Donnez-moi quelques minutes d'attention. C'est un tout petit peu long, mais on va essayer de couper. Donc, et suivez avec moi, d'accord? Liberté spirituelle. Nous avons eu l'intervention du prophète Oganga et aussi intervention du pasteur Karine. Écoutez un peu, c'est une dame qui est dans LEI. Nous avons aussi eu le témoignage d'une autre membre de LEI. J'ai écouté tous les témoignages, toutes les femmes qui se sont ouvertes, une grande majorité des femmes qui se sont ouvertes pour à leur tour donner leur témoignage. Cela me touchait énormément de voir comment les femmes souffrent, mais je n'imaginais pas que mon temps allait arriver. Écoutez un peu. Et hier, la coach a donné un bout de son témoignage dans la journée de hier, le mardi. Mais je n'ai pas eu... La journée était occupée, donc je n'ai pas eu le temps d'écouter. Arrivé au soir, j'ai pris le temps alors d'écouter l'audio, comme chaque matin, nous avons l'audio de la coach. Donc, je n'ai pas écouté le matin, mais le soir. Alors, j'étais assise sur mon canapé. J'ai mis le téléphone dans mon oreille et j'ai alors commencé à écouter le témoignage. J'avais mis un petit cinglé. Je n'avais pas froid, donc j'avais chaud. La température était normale. Donc, quand je commençais à écouter, j'ai vu que je commençais à avoir froid. Plus j'écoutais, j'ai vu que mon cœur commençait à battre fort, fort, fort. Après le cœur qui commençait à battre fort, 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 j'ai senti de la haine, la colère qui remontait dans mon cœur.
la haine, la colère qui remontait quand j'écoutais ce que la coach disait par rapport à son témoignage. Une haine, une colère. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rends compte en fait que voici mes propres flashs. Voici tout ce que j'avais enfui depuis des années. C'est ça qui me ressurgit en pleine surface. Donc si je fais l'audio là, c'est pour vous dire que le Seigneur est souverain. Dieu est sur son trône. Quand j'ai écouté cet audio hier, après la colère, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai vu ma vie, ma propre vie, se dérouler sous mes yeux. Tout ce que j'ai cru enfuir en moi, tout ça se sont déroulés sous mes yeux. J'ai vu comment je n'ai pas connu mon père. J'ai vu comment ma propre mère avait décidé de faire sa vie et que j'étais abandonnée. J'ai vu comment toutes ces années, j'étais dans l'enfance élevée par ma grand-mère. Et après, cette femme va me récupérer à l'âge de 11 ans. Cette femme qui est ma maman va me récupérer à l'âge de 11 ans. Mais cette propre femme, cette mère, va elle-même à son tour pouvoir m'exposer. Je vais alors être la risée de toute la famille. Alors que je subissais, comment je vais vous dire ça, je subissais je subissais mon oncle, le frère de mon beau-père qui me faisait des avances. Donc je subissais ça, je subissais ces attouchements. Et parce que une de mes copines qui ne m'aimait pas était venue dire que ah, on dirait que je suis avec mon oncle, parce que je m'étais confiée à la copine là pour lui dire que mon oncle Marcel il me touche et tout. Et quand j'ai eu un petit désaccord avec cette copine, elle est venue dire ça, mais le contraire à ma maman, que c'est plutôt moi qui faisais les avances. Et cette propre femme, qui est ma mère, a alors cru cette amie. Et c'est cette propre femme qui m'a exposée devant toute la famille. Cet oncle dont la réputation a été gâtée, parce que la famille criait que oh, c'est lui qui était sorti avec moi. Il est venu me dire, comme ta maman a gâté ma réputation et que en vérité je n'ai pas couché avec toi, il faut que je couche avec toi, comme ça au moins je serai quitte. Vous voyez comment j'ai été exposée. Je vais alors me séparer de la maman. Je vais chercher juste un coin où je peux alors continuer les études. Et c'est par là, livrée à moi-même, abandonnée, je ne savais pas comment faire pour manger. Alors, comme j'avais un joli visage ou joli corps, comme les gens disaient, je suis partie faire des photos nues, pour pouvoir avoir à manger. Je n'étais pas une fille qui aimait le sexe ou quoi, non, pas du tout, pas du tout. Malgré que j'étais toute seule dans un petit coin, c'est pas pour autant que j'ai saisi ça pour pouvoir aller faire la vie comme je voyais les jeunes filles, non. Je voulais seulement faire mes études, je voulais seulement réussir pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai passé vraiment des moments difficiles. J'avais aussi une de mes tantes, donc j'allais chez elle là-bas le week-end. Et c'est chez cette tante, c'est son fils. Qui a donc pris ma virginité, mais tout ça je ne savais pas encore. Je devais avoir dans les 16 ans. Je ne savais pas que c'était ça, coucher avec quelqu'un ou bien violer quelqu'un. Je n'avais pas saisi. Donc ce cousin-là a abusé de moi longtemps comme ça. Et je croyais que c'était normal. De toute manière, je n'avais pas de repères. J'avais déjà vu que
mon oncle lui-même m'a harcelé comme ça, sexuellement. Donc, je croyais que mon cousin, là, peut-être c'était sa manière de m'aimer. Je n'ai jamais dit ça, même à la tante, la maman de mon cousin, là, je lui ai jamais dit. Voilà, comme ça, je continue donc de grandir. Je vais alors tomber amoureuse d'un garçon. Je vais vraiment aimer cet homme qui avait peut-être 10 ans de plus que moi à l'époque. Le monsieur là, chaque fois que je tombais enceinte, il disparaissait. Chaque fois que je tombais enceinte, il disparaissait. C'est comme ça alors, je vais alors avorter 4 fois. Et je disais toujours au monsieur là que... Je disais au monsieur là, le jour viendra où je ne vais plus t'aimer, je vais disparaître comme ça sans même que tu saches que je suis partie. Et tout ça parce qu'un jour j'avais découvert que le monsieur là avait déjà sa femme et son enfant. Ce monsieur-là à qui je croyais enfin que je pouvais être en sécurité, que j'allais aimer pour une fois, que j'ai aimé pour une fois. Eh ben non, ça continuait. C'était encore le troisième homme où j'avais le dégoût, quoi. J'avais le dégoût. Et je me suis dit, ah, mais comme ils n'arrêtent pas tous de dire que oh, tu es belle, tu as les belles formes et tout, j'ai dit, ok, je vais alors prendre mon corps comme outil pour pouvoir me venger. C'est ainsi alors que je vais aller sortir avec les hommes mariés. Je vais seulement sortir avec les hommes mariés. Je n'aimais même pas le sexe, hein, mais c'était seulement pour me venger, pour que je me disais, en ayant des rapports avec eux, c'est comme ça que d'autres femmes vont aussi souffrir. Je voulais vraiment me venger, et des hommes, et des femmes, et je croyais que c'était bien. Jusqu'au jour où, au décès de mon père, le monsieur que je n'ai pas trop connu, que j'ai vu quelques jours avant sa mort, je vais donc rencontrer le Seigneur. Et c'est là que je comprends que j'étais vraiment dans l'erreur. Il faut que je cesse tout ce que je fais. Donc j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, toutes les affaires de Dieu merci dans sa grâce. Quand bien même je ne le connaissais pas, il n'avait pas permis que je sois dans la prostitution ou la drogue, non. C'est que j'avais beaucoup manqué d'affection, d'amour, donc je ne souriais pas, je ne riais pas, j'avais beaucoup de boutons, une acné poussait vraiment, mais je ne comprenais pas. Et quand je suis venue au Seigneur, je n'ai jamais raconté toute cette partie, je n'ai jamais exposé mes souffrances. J'ai toujours gardé ça pour moi jusqu'à... Le monsieur qui est mon mari actuellement, je me suis mariée avec lui parce que c'est vraiment un homme qui craint le Seigneur, c'est un homme de Dieu. Je me suis mariée parce que je me suis dit au moins avec lui je serai en sécurité. Quand il m'a fait sa demande, je me suis mariée. Je me suis mariée très tôt. Je n'ai pas fait un choix d'amour, mais j'ai fait un choix de me dire qu'au moins je serai avec quelqu'un qui craint Dieu. Et voilà que je suis mariée. Je ne pouvais imaginer que tous ces trucs-là allaient sortir, mais je voyais bien que je n'allais pas bien. Je voyais bien, je savais bien au fond de moi qu'il y avait des choses, mais que je n'avais jamais sorti. Jusqu'à ce que hier, alors, je tombe sur le témoignage de la coach. Son témoignage, alors, je me suis dit que je voulais encore enfuir la douleur là, mais non, c'était pas possible. Tout a alors explosé. Hier, vraiment, j'étais mal. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Je me suis posé des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi tu as permis tout ça? Je n'ai rien fait à quelqu'un. Pourquoi toute cette souffrance pour moi? Oh mon Dieu, hier, vraiment, ça n'allait pas. Jusqu'à, j'ai appelé la coach. Non, j'ai écrit à la coach. Oh, que Dieu bénisse cette servante. Que Dieu bénisse cet instrument. Que Dieu bénisse ce mandat divin qu'il a mis en cette femme. Je ne sais même pas quelle heure il était, mais l'heure, il était tard. Et pourtant, de toute la journée,
La coach a été sollicitée par plusieurs femmes par rapport à leur témoignage. Mais je ne voulais pas venir encore la déranger, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je partage avec la femme, avec la coach. Je vais alors lui écrire et lui dire alors tout. Et après, je vois que j'écris, ça ne lui va pas. Ça prend trop de temps. Comme j'étais en train de pleurer, je voyais que mes écrits, là, ça prend trop de temps. Je dis pas tout. Je demande alors à la coach, s'il vous plaît, coach, est-ce que je peux vous faire une note vocale? Elle me dit oui, c'est comme ça. Alors, je vais. Je sais pas. Je sais même pas combien d'heures j'ai pleuré. Je sais même pas combien d'heures j'ai été dans la colère. Et j'ai raconté à la coach alors tout ce que j'avais enfui en moi. Ok. Attends. Donc elle m'a écrit, je crois qu'il était jusqu'à 2 h du matin, on a échangé et Dieu est merveilleux. Ce matin, elle a écrit un message, elle a écrit à beaucoup de gens, elle a dit ma vie a changé. Elle avait une haine contre sa mère. Toute jeune, elle s'est confiée à son amie, elle a dit j'ai mon oncle qui est en train de me toucher parce qu'elle avait des fesses, elle avait des rondeurs, il passait, il la tripotait tout le temps. Et puis quand elle a confié à sa mère, à sa copine est allée dire à sa mère que ta fille, là, on dirait qu'elle sort avec le frère de ton mari. Et donc, la maman, au lieu d'être sage, après ça, elle, devant les gens, elle disait, mais non, regardez-moi celle-ci, là, elle va m'apporter la honte dans la famille et tout. Elle a commencé à insulter sa fille, à se moquer d'elle, etc., à l'humilier dans la famille. Donc, elle a encaissé ça. Elle a mal encaissé ça. Elle a eu une haine pour sa mère. Mais maintenant, l'oncle en question a commencé, il a dit, bon, puisque ta maman a déjà gâté mon nom dans la famille, mieux vaut maintenant que moi je fasse ce que j'ai à faire. Donc, il a violé la fille, là, correctement, il lui a pris sa virginité. Et quand il a fait ça, elle, ça l'a cassé. Après, comme elle s'est éloignée de sa maman, il fallait manger. Elle s'est mise à vendre ses photos. On lui prenait des photos de nu pour qu'elle puisse manger. C'est ce qu'on appelle la galère, c'est ce qu'on appelle la souffrance. Et elle, après ça, elle s'est retrouvée donc après à aimer un homme. Elle pensait que cet homme-là, au moins, elle allait trouver l'amour là-bas. Rien à faire. Cet homme-là s'est caché. Il était marié et il avait déjà enfant là-bas. Il lui a mis la grossesse 4 fois. Dès qu'elle tombe enceinte, il bouchette, il fuit. Il la laisse. Donc son témoignage est tellement long. Mais ce qu'il y avait de plus pour elle, c'est que sa maman, elle a fini par se marier, mais elle n'avait pas ouvert son cœur. Elle n'avait pas sorti ça. Et donc c'était là. Maintenant, dans le programme LEI, elle était là, elle écoutait. Et donc. Quand elle m'a écouté hier, parce que dans le groupe, chaque jour, j'interviens tous les jours, il y a des lives en direct, etc. J'ai parlé, parce que les femmes étaient en train de pleurer et ressortir. Beaucoup de femmes qui ont été violées. Et j'ai expliqué ce que moi-même j'ai vécu quand j'ai été violée. Quand j'ai eu peur de rentrer à la maison après le viol, je pensais que j'avais mal fait, j'avais fui la maison. Le troisième jour, quand je suis revenue à la maison, on n'a pas cherché à savoir. Les parents savaient que j'étais vierge, mais quand je suis revenue, on n'a pas cherché à savoir. Pourquoi? Je n'ai même pas eu l'occasion d'expliquer. Immédiatement, on a mis la main sur moi. On m'a emmené chez le gynécologue. Arrivé chez les gynécologues, quand ils voulaient faire leur, comment on appelle, vérifier si j'étais vierge, mes parents sont sortis. Et le gynécologue il a dit, si tu veux que je dise à tes parents que tu es vierge, tu me laisses faire ce que je veux. Et il s'est mis à me tripoter, à faire ce qu'il voulait. Il n'a pas couché avec moi, mais je me rappelle toujours de son visage comme si c'était hier. Je me suis sentie sale et j'ai trouvé que l'amour était tellement sale. Donc j'ai parlé de ça, j'ai partagé tous ces sentiments avec les dames pour leur dire comment s'en sortir. Et quand elle a entendu ça, elle, c'est hier nuit, elle, ça remontait. Elle s'entendait avec sa maman, elle riait avec la famille, avec tout le monde. Mais c'est parti chercher tout ça, la haine, la colère est remontée, la blessure. Elle m'a appelé, je crois, de minuit à 2 h du matin. Elle a parlé, elle a pleuré, elle a tout sorti comme jamais. Et je vous assure, c'est une grande dame. C'est pas une petite fille. C'est une grande dame. C'est pas les petits gens là. C'est pas une petite fille. Donc, elle ne pouvait pas m'appeler pour jouer. Toute la souffrance qu'elle avait, elle l'a sortie. Elle s'est vidée. Mais ce matin, Dieu l'a visitée parce que quand elle a appelé, quand elle s'est mise à témoigner envers certaines personnes seulement de le groupe, elle a dit, ma vie a changé. Je suis transformée, j'ai compris Dieu. Dieu m'a touchée, Dieu m'a lavée, Dieu m'a pardonnée. Dieu, et mon passé est passé. Elle a eu à pardonner sa mère. Après combien d'années? Elle est mariée, elle a enfant, elle cause avec sa maman, mais il y avait la haine. La souffrance était là. Donc quand je parle de souffrance, je sais de quoi il s'agit. J'aimerais juste te dire une chose, que
Dieu t'a donné le pouvoir, c'est-à-dire la faculté, la capacité, la possibilité matérielle et la permission de changer ta vie. C'est ça qu'on appelle être un enfant de Dieu. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est cette capacité légale que tu as de changer ta vie et de dire stop. Tu as une fondée de pouvoir par rapport à ta vie. J'ai un message aujourd'hui pour toi qui s'ouvre. Que la douleur que tu as là, la souffrance que tu as là, n'est pas la mort. Tu vas t'en sortir. Je sais ce que c'est que souffrir. On peut souffrir psychiquement, physiquement, émotionnellement. Tu as une douleur. Tu as été traumatisé. Tu as été blessé. Tu as un traumatisme potentiel. Et au milieu de toutes tes souffrances là, tu es perdu. Tu as mal. Tu éprouves de la peine. On t'a endommagé à l'intérieur. On t'a cassé. Il y a une blessure. Il y a une coupure. Tu es handicapé. Tu n'arrives pas à avancer. S'il te plaît, partage cette vidéo. Je t'en supplie. Il y a des femmes violées que tu ne sauras jamais. Partage pour aider. Je veux te dire que toute cette souffrance a engendré en toi un sentiment d'isolement, de colère, de frustration, de culpabilité. Enfouir tout ça là, ce n'est pas la solution. Cacher tout ça là, ce n'est pas ça qui va t'emmener loin. J'aimerais juste te dire aussi que Christ a souffert. Il a porté tes souffrances. J'ai accepté de croire que Christ a porté le viol que moi j'ai vécu. Toutes les malédictions que je croyais qui étaient attachées à moi, j'ai cru qu'il a porté tout ça pour que je devienne bénédiction. J'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu es en train de me dire, que ta vie a été un chapelet de frustration et de blessures, que tu n'as jamais été heureuse en amour, qu'on t'a trahi en amitié. Oui, j'entends que l'échec et le mal-être sont tes compagnons. Je t'entends me dire que tu t'es toujours senti mal dans ta peau, à gauche, quand tu te comparais aux gens. Je t'entends en train de me dire que tu as toujours demandé à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je t'entends quand tu me dis, pourquoi tant de souffrances dans ma vie? J'ai dit ça aussi. Quand ce docteur-là me touchait sur la table, tu ne peux pas imaginer. Un gros monsieur, un papa, je n'avais même pas 15 ans. Mais je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tant de rejet? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que mon nom est attaché à la malédiction? Pourquoi est-ce que je manque d'assurance? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de vision de ma vie? Ma douleur était tellement forte, moralement, que ça m'atteignait physiquement. J'étais blessée, j'avais des plaies sur le corps, j'avais des brûlures d'estomac, j'avais du pus dans ma tête, j'avais des complexes, mon nez et tout, j'étais cassée. Et j'ai pris les mauvaises décisions parce que je n'acceptais pas d'avancer. C'était des décisions basées sur la peur d'être seule, peur de ne pas être aimée, peur de manquer de considération, peur qu'on ne me respecte pas, peur de ne pas être acceptée, peur. Je sais ce que c'est que d'être dans un corps que tu hais. Tu grossis, j'étais grosse. J'étais laide, je ne me lavais pas, je me haïssais, je détestais mon corps. Je sais ce que c'est que souffrir. Je sais ce que c'est que de fuir le miroir, de ne pas te vouloir te regarder parce que tu as honte de toi. Je sais ce que c'est que d'avoir honte. Je sais ce que c'est de se cacher dans des habits amples pour qu'on ne te regarde pas. Je sais ce que c'est que d'entendre chaque jour un mari qui te méprise au nom de Dieu. Je sais ce que c'est. Mais j'aimerais te dire que sans test, il n'y a pas de témoignage. Sans épreuve, tu n'auras pas de témoignage. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a 4 lépreux dans la Bible qui m'ont challengé. Si des lépreux ont pu croire que c'était possible, ils ont pu dire « it's enough », c'est assez, trop, c'est trop, et changer non seulement leur destinée et la destinée de leur famille et de leur nation. Alors tu peux changer ta vie. Je sais ce que c'est que de commettre des erreurs et d'essayer de réparer, mais chaque jour, ton mari t'appelle par le nom de ces erreurs-là. I've been there. Je t'ai entendu me dire, tu es mariée, mais que ton mari te viole chaque nuit. J'ai entendu ça. Que les nuits sont longues, j'ai entendu. J'ai entendu quand tu m'as dit que ton chef te brise chaque jour. Ça aussi, j'ai vécu. Je me sentais bête parce que j'avais un chef chaque jour qui m'insultait, qui me maltraitait. Et je crois que j'étais bête. J'ai ailleurs. Je sais ce que c'est. Quand on te brise, quand ta famille te fait croire que tu es inutile, que tu es nul et que tu n'atteindras jamais rien dans ta vie. Partage cette vidéo pour aider quelqu'un. Mais j'ai aussi entendu que George Washington Carver était un homme qui a été vendu avec sa mère. Au temps de l'esclavage aux États-Unis, ça avait ni lien ni éclair. On l'a vendu, on l'a échangé pour un cheval. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a découvert un jour des pots de peinture, il s'est mis à dessiner. Quand le temps de l'esclavage a été aboli, il a dit « it's enough, la situation des Noirs est trop, je peux changer quelque chose, je peux changer dans ma vie ». Il s'est levé, il est allé à l'école, il étudiait dans la cave pendant des années. Il est sorti avec un master, un doctorat. Il a commencé à travailler pour la situation de la population noire. À sa mort, il y a eu son visage sur des timbres. Les présidents ont loué ce black, cet esclave. Je sais que c'est possible que ta vie change. C'est toi qui dois décider d'être un miracle. Tu peux choisir d'oublier ta souffrance. La souffrance, c'est l'école de Dieu. Avec Dieu, on fait des exploits.
J'ai pensé à Joseph. Joseph, Dieu lui a dit, you shall reach there. Tu iras là-bas. Tu réussiras. Je t'ai mis au monde pour ça. Mais Dieu ne lui a pas montré tout ce qu'il allait traverser pour arriver là. Dieu ne lui a pas montré qu'il serait haï, jalousé, vendu par ses frères, qu'on mentirait sur lui, qu'il se retrouverait en prison, que même en prison, il va aider des gens qui vont le trahir, l'oublier. Dieu ne lui a pas montré ça, mais Dieu lui a seulement dit, you, I will do this. Et en 24 heures, top chrono, quand Dieu s'est levé dans la vie de Joseph, il est passé d'un statut de prisonnier au statut de premier ministre. Yes, it's possible. Et j'ai envie de te dire, avec moi, ça suffit. It's enough. J'ai vu Dieu rendre des femmes stériles, mais encore ouvrir le sein des femmes. Qui es-tu pour me dire pourquoi moi et pourquoi pas toi? Dieu ne pose des questions à personne pour faire quoi que ce soit. J'ai plus longtemps dit à Dieu, pourquoi est-ce que j'ai été violée? Pourquoi est-ce que j'ai souffert? Pourquoi est-ce que je me suis mariée dans cette condition? Pourquoi? Dieu m'a dit, arrête de me dire pourquoi et maintenant choisis de me dire parce que. Sonia, it's time, it's enough. Lève-toi et occupe-toi de ta vie parce que cette fois le juste tombe. Cette fois, il se relève. Les gens font l'erreur de dire, cette fois le juste tombe, cette fois l'éternel le relève. C'est faux. Cette fois tu tombes et cette fois tu te relèves. Je dis, tu te relèves, mais tu ne peux pas te relever si tu ne dis pas avec moi, it's enough. Tu es une bombe. C'est pour ça que le diable t'attaque. Tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le diable t'attaque. Il ne veut pas que your body should be inside club. Il ne veut pas ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le viol que j'ai eu, ça m'a permis aujourd'hui d'impacter des femmes, des milliers de femmes dans le monde. Parce que personne ne pouvait en parler. Les femmes de pasteur, tout le monde avait honte. Je suis sortie, j'ai déposé ma veste de pasteur et autres. J'ai pris la honte, j'ai mis de côté. Je suis venue exposer ma féminité sur Facebook. Dire oui, j'ai été violée. And so what? Mes condoléances. J'ai choisi de croire que ma souffrance, oh Dieu, l'Éternel peut me relever. J'ai choisi de croire que du fumier, l'Éternel m'a lavé, il m'a habillé, il m'a couronné de gloire, il m'a fait asseoir avec les grands. Oui, c'est ce que j'ai choisi de croire. J'ai choisi de comprendre que je ne suis pas une erreur, que je ne suis pas venu dans ce monde pour vous accompagner. Ça suffit, écris avec moi, ça suffit, it's enough. J'ai choisi de ressasser dans mon cœur que la situation d'hier, c'est la situation d'hier et que la situation d'aujourd'hui ne dépend que de moi. Je peux faire quelque chose de ma vie aujourd'hui, peu importe le mal qu'on m'a fait, parce que tout concourt au bien de ceux qui aime Dieu, parce que j'aime Dieu, il faudrait forcément quelque chose de bien pour moi. Et il y a un moment où il faut savoir dire stop, il y a un moment où il faut savoir penser et faire stop, ma vie n'est pas une poubelle, stop, ma vie n'est pas ta poubelle. Même si Satan, même si ton patron, ta maman, les violeurs, les faux amis, les abuseurs, les vampires émotionnels ont fait, tu as encore le droit de dire aujourd'hui stop, it's enough. Tu as la puissance, tu as le pouvoir de transformer ta vie parce que Dieu t'a rempli de toute souveraineté. Ouvre tes yeux et vois qui tu es. La puissance de faire quelque chose, d'imposer ton autorité, de dominer dans ta vie et d'avoir une grande influence, ça ne dépend que de toi. Il est temps que tu renverses les forteresses, que tu sortes des excuses, que tu fasses des fausses pensées qu'on a fondé dans ta vie. Ça ne dépend que de toi. Quelqu'un m'a dit, je veux pardonner, mais. Quelqu'un est en train de me dire, j'ai pardonné, mais. Oui, plus mais égale à non. Donc, tu n'as pas pardonné. Donc, tu ne veux pas pardonner. Arrête de te cacher dans les lamentations et les jérémiaires. J'ai souffert dans ma vie. And so what? Écris ton histoire. Arrête de te cacher. Choisis aujourd'hui ce que tu veux vivre. Ok, on l'a violé. Ok, elle a vendu ses photos de nu pour manger. Ok, sa mère a fait. Ok, je lui ai dit, and so what? Now what? Présente tes condoléances, it's enough. On est fatigué des jérémiades, on est fatigué de tes larmes, on est fatigué, il faut que tu sortes de ton statut de victime, sors de ton statut de sauveur, parce que tout le monde a des problèmes, mais comment font les autres pour réussir? C'est encore ta vie. Tu peux virer ces faussetés, ces mensonges et passer à une vie véritable. Tu n'es pas une victime de la vie, tu es une femme qui vit. Tu es un homme qui vit, la différence c'est toi qui la crée. Tu as le choix de changer ta vision. Tu as le droit de voir différemment. Et ta vision doit quitter l'aspect souffrance pour que tu puisses devenir meilleur. Tu es né pas pour souffrir. Je veux te le dire parce que je suis passé par là. Jamais Dieu n'a lié à ton nom le mot souffrance. C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres. Coach Sonia n'a pas trois têtes. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? J'ai décidé, j'ai choisi, j'ai dit it's enough. J'ai choisi de ne plus écouter les mauvaises personnes dans ma vie. J'ai réalisé que chacun doit vivre pour sa part. Let me do me and you, you do you. J'ai pris une décision de changer ma vie. J'ai réalisé que je pouvais vivre maintenant ce que je voulais. J'étais à une décision. Et j'ai pris ma décision. Les gens se sont moqués. Même le mari m'a balancé là-bas. Il n'était pas d'accord. J'ai dit je le fais. Parce que c'est de ma vie qu'il s'agit. Laisse-moi vivre ma vie et toi tu vis ta vie. Let me do me and you do you. It's enough. Regarde les athlètes. Tu ne sais pas comment ils doivent se battre pour arrêter. Vous voulez simplement arriver à avoir ce qu'ils ont. Mais ils se battent. Comprends une chose, que ta vie n'est pas la poubelle des autres pour que chacun vienne jeter ce qu'ils veulent.
décide d'exister, décide de vivre pour le combat. Oh non, il y a une parole qui m'a frappée de Mohamed Ali. Il a dit un jour avant un des plus grands combats, je crois contre Foreman, il a dit ceci, et c'est comme ça que nous les chrétiens devons penser, et c'est comme ça que tu dois penser. S'il te plaît, partage ces vidéos. Il a dit, pour ce combat du siècle, il a dit, j'ai lutté avec l'alligator. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un alligator? Même si c'était faux, c'est-à-dire, il te montrait sa vision. Il a dit, j'ai tabassé une baleine. J'ai mis des menottes à la foudre. Voilà comment il a parlé. Il a dit, j'ai foutu le tonnerre en prison. Tu sais ce que c'est? Dieu, get me. Est-ce que tu me comprends? Tu sais à quel point je suis méchant, c'est ce qu'il a dit à ses ennemis. Il se mettait devant, il dit, moi là j'ai attrapé l'air, j'ai fait ça, j'ai mis la prison comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que tu sais à quel point je suis méchant? C'est comme ça que tu dois parler à ceux qui bouffent ta vie. C'est comme ça que tu dois parler à ceux qui t'ont fait du mal. It's enough. Il dit, j'ai cassé une pierre, je l'ai blessé, j'ai blessé la pierre. Il dit que rien que la semaine passée, j'ai massacré un rocher. Toi, tu as déjà massacré un rocher. How can he think? Comment est-ce qu'il peut même penser comme ça? Ça veut dire que dans sa tête, il a dépassé l'aspect victime. Il a dépassé l'aspect souffrance. Tu vas me dire, mais non, mais lui, il n'a pas été violé. Toi, tu sais comment il a violenté sa vie chaque jour pour devenir le champion? Arrête ça, it's enough, it's enough. Il m'a appelé, il dit, j'ai décidé, j'ai envoyé à l'hôpital une brique. J'ai envoyé à l'hôpital une brique. J'ai dit, je suis méchant. J'ai rendu malade la médecine. Les médecins, je les ai rendus malades. Ça, c'est Mohamed Amili. Un homme de chair et de sang comme toi et moi. Il dit, je peux courir, traverser un ouragan sans être mouillé. Il dit, je vais vous montrer combien je suis incroyable. Écris avec moi, je suis incroyable. Peu importe le passé, j'ai envie que tu me dises que tu es incroyable. Dis-moi, tu es incroyable. Je suis incroyable. Ce que tu as vécu va permettre à ta destinée de s'accomplir. So, it's enough. La femme qui accouche, laisse-moi te dire, au moment où elle doit accoucher, elle souffre. Elle souffre. Elle souffre au moment du miracle. Chaque contraction lui demande du courage. Chaque contraction lui demande la force. Elle perd sa force. Elle a le sentiment que son corps est en train d'être coupé. Je sais de quoi je parle. J'ai accouché beaucoup de fois. Tu as l'impression que tu es entre la vie et la mort. Tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Tu es couché sur cette table. Il y a la sage-femme autour. Ton souffle est en train de te quitter. Tu luttes pour garder le souffle. L'enfant veut sortir. Tu es enceinte. Tu dois accoucher. Ton corps se mord de mille morts. Le ciel et les anges sont là, le diable aussi est là, tout le monde est debout, Jésus est là comme un arbitre, il dit Sonia pousse parce que l'enfant va sortir, tu es en train de souffrir, je sais, mais le temps va arriver, ton miracle est en train de sortir, traverse seulement cette zone de turbulence. Et donc je suis couchée sur mon lit, en train de devoir accoucher, et je dis Seigneur, est-ce que je vais survivre, aidez-moi. Et la sage-femme me dit, madame, il faut pousser, si tu ne pousses pas, l'enfant va mourir, et je suis en train de mourir. Je dis, je souffre, elle dit, oui, mais cette souffrance c'est pour faire naître ton miracle. Donc c'est ce que j'ai envie de te dire, it's enough, tu es incroyable, tu vas donner la vie à cette vie qui est morte. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu comprends? Et puis tout d'un coup, c'est le cri de l'enfant. Et quand l'enfant crie, tu te laisses ta tête retomber. Bam! Mais tu as la victoire. Tu as la victoire. C'est ça. And it's enough. La Bible dit, ne vous réjouissez pas de ma chute, oh mes ennemis, car mon rédempteur est vivant. Et même si c'est à la dernière seconde, il se lèvera. À la dernière seconde, pour moi, il se lèvera. À la dernière seconde, pour moi, il se lèvera. Vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me piétiner, vous pouvez me violer, vous pouvez même me prendre des photos de moi pour que je puisse manger. Eh, mais le Dieu que je sers, il connaît mon demain. Bien aimé, quand cette dame me parlait de ça, quand elle me disait qu'elle a dû vendre les photos de son corps pour manger, ah, Nzambe, j'ai failli maudire, mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, tu savais tout ça. Il a dit, c'est pour ça que je l'ai emmené sur ta page, parce que tu l'emmènes quelque part. Tout ce que j'ai vécu, je sais que les gens me demandent, mais comment tu fais? Est-ce que tu fais des pratiques? Il y en a qui m'ont écrit pour me demander si je fais des fétiches pour que ma page Facebook marche, pour que les gens m'aiment. Non. J'ai seulement souffert. Je viens, je partage ma souffrance avec vous et vous dire que c'est possible. C'est pour ça que vous m'aimez tant. Oh, Mohamed Ali a dit, je vais te battre, je suis le plus grand. Non seulement je te mets KO, mais c'est en plus moi qui choisis le round. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Choisis non seulement de dire que it's enough, mais choisis qu'aujourd'hui, là, c'est fini. On ne te mettra plus KO. Un homme ne peut pas te violer. Même si tu as violé, c'est le passé. Ta famille peut t'avoir abusé, utilisé comme une prostituée pour nourrir la famille. Ton père peut avoir dit, les gens peuvent avoir fait. On a fait ceci, on t'a trahi, on t'a troublé, mais tu peux décider aujourd'hui de faire une différence. It's enough. Parce que je suis incroyable, je suis plus qu'exceptionnel, je suis incroyable. Moi là, quand je prie, le ciel s'ouvre. Quand je parle, Dieu écoute. Ça, c'est le plus grand des miracles. Je suis la fille de Dieu. I may not see what I'm going to do. Je ne vois peut-être pas où je suis aujourd'hui et où je vais. Mais I'm telling you that God is in my life. Je ne suis pas une popine à popine. Je cale le diable en l'air. Je cale les esprits en l'air. Je cale le passé en l'air. Et you know what, il n'y a plus rien devant moi. Je dis maintenant mes condoléances. Now what? J'avance. Ma vie n'est pas une poubelle. Je vous ai fait ce cours là à dessein.
Cherchez-le. Ma vie n'est pas une poubelle. Le diable peut avoir fait. Les patrons peuvent avoir fait. Mes amis peuvent m'avoir trahi, trompé. Ils peuvent avoir même pris mes ongles, mes cheveux. Et les pas pour m'aider chez les marabouts. Mais je dis feu sur ça. Because it's enough. Je suis incroyable. Vous ne pouvez pas me bouffer. Je suis un enfant de Dieu. Le Dieu du ciel est en moi. How can you eat God? Est-ce que tu peux manger Dieu? Tu ne peux pas manger Dieu parce que Dieu est en moi. Et tu peux prendre, même prendre tout. Prends mes perruques, prends mes habits. Va féticher. You can do me nothing. Tu ne peux rien me faire parce que le Dieu du ciel est en moi. Je suis incroyable. Je suis exceptionnel. It's enough. Souffrance atroce, morale, physique, horrible, mortelle, tout ça là, calé en l'air. It is time for God to move in my life. Arrêtez de m'écrire pour me parler des hommes. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Arrêtez ça. Il est temps que tu revoies ta vie, recalibre ta vie, my sister. Je suis incroyable. Je suis plus qu'exceptionnel. It's enough. My body inside clothes. À l'intérieur de moi, je suis complètement alignée avec ce que je fais. Complètement alignée avec ce que je vis. Ma vie n'est pas ta poubelle. Ma vie n'est pas ta poubelle pour que tu ailles ramasser toutes les saletés au monde pour venir les mettre. Non. Ma vie n'est pas ta poubelle pour que tu me cumules dans les foyers, tu fasses de moi une misogyne pour que j'en sois deux femmes dans le foyer. Non, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, I should be the only one. Je devrais être l'unique femme dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Elena. C'est de ça qu'il s'agit. Je dois être la femme seule dans ta vie. Tu n'es pas. Si on s'est marié, on s'est entendu qu'on devrait s'aimer. Maintenant, tu emmènes une troisième personne dans notre relation pour faire quoi? Tu t'en vas me tromper toi pour faire quoi? Je te cale en l'air parce que je suis incroyable. Si tu n'as pas eu la grâce de Dieu pour savoir combien je suis incroyable, cale en l'air. Peu importe, avec ton argent, avec tes millions, avec ta voiture, avec tout, cale en l'air. God has given me new hands. Dieu m'a donné des mains. I can work. Popina popi, je n'en suis pas une. Je ne suis pas une tocarde. Je ne suis pas une maboule. Je ne suis pas une poubelle ambulante. C'est toi la poubelle ambulante qui veut venir salir ma vie, me souiller. Tu m'as violée. Tu penses que quoi? Que tu vas au ciel. Que Dieu du ciel te visite. Bien. Yeah, parce que je suis exceptionnelle. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Il a dit qu'il a attrapé l'air. Il a tourné. Il a mis l'air en prison. Non, cet homme-là avait la chat. C'est pas seulement la chat. He was telling you his conviction. Il est en train de te dire ce en quoi il croyait. Si tu sais que tu es une femme extraordinaire, si tu sais que tu es une femme incroyable, tu ne peux pas rester là à pleurer, à pleurnicher sur le passé, à pleurnicher parce qu'on t'a chassé du boulot. Tu peux construire ton entreprise. J'ai dit, si on a claqué la porte devant toi, on t'a dit sors, va bosser, reviens, puis tu achètes l'immeuble là, tu achètes même le patron là. Non, mais oh, 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 because I am incredible. Je suis incroyable. Est-ce que tu me comprends? Ma vie n'est pas une poubelle. Pour accepter vos djibidjibidjibid. Non. Pour que vous fassiez de moi votre prostituée. Que vous fassiez de moi votre quoi? Yes. Dis au diable de caler en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Parce que je vous aime. Que Jésus soit votre Seigneur. Réalise combien tu es exceptionnel. Cale le diable en l'air. Rendez-vous mercredi prochain. Tu es incroyable. Bye bye.